tranquillement dans les rues d'Alger, j'admirais un bâtiment que j'ai construit, et tout à coup, boum, boum, boum. Où sommes-nous? Mais nous sommes à Tatillon! Comment en sommes-nous arrivés ici? Je pense que nous avons franchi les portes du temps. Oh, saperlipopette! Bon, je vous laisse! Il faut que j'aille vérifier l'état de mes bâtiments! Au revoir, monsieur Dauphine! C'est formidable ça! Je croyais que je serais toute seule et nous sommes trois! Mais nous sommes bien plus nombreux que ça! Nous sommes en quelle année? 2011! Le 13 juillet 1897, pas 2011! Si, alors on n'a jamais fait qu'un bond d'un siècle dans le temps! Vite! Il faut aller voir la mer s'il reste du plancton! Suivez-moi! Mon plancton! Y a-t-il un laboratoire sur cette île? Vous allez sûrement tomber sur un scientifique. Ils ne sont pas durs à reconnaître, ils ont des blouses blanches. Donc, dès que vous en voyez un, vous lui dites que de la part de monsieur Edmond Perrier, vous venez faire analyser cette eau. Au plus vite, vous y allez, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce qu'ils font dans mon château d'eau? Nous allons aller observer les bâtiments. À Tatillou, ici, étaient soignés les malades de la peste. En 1720, tous les bâtiments que vous voyez autour de vous datent de cette époque. Vous allez essayer de repérer les bâtiments et de les replacer sur le plan. Là, c'est la petite entrée. C'est là où donc ça, est... c'est où? C'est ça, ça. C'est ça. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que c'est que le plancton à votre avis? C'est des toutes petites crevettes. Alors, il y a majoritairement des petits organismes, mais sinon on trouve aussi des méduses qui font du plancton. Et vous allez pouvoir observer du plancton animal. C'est quelles surtout? Alors si vous ne voyez pas, surtout vous m'appelez, j'arrive. Dans une chaîne alimentaire, on a ce qu'on appelle des maillons. Et chaque espèce est un maillon de la chaîne alimentaire. Vous avez une allume verte, vous allez dire ce qui est en vert, d'accord? Donc les autres, vous avez tous des algues brunes. Je suis pas sûre. Nom de la bouteille sur le tableau. Il s'agit d'une maquette du château d'eau de mer de Tatillou que vous allez monter vous-même. Tout ce que vous avez sous cette tente doit être utilisé. Attention! Construction, allez, c'est parti, la première pierre est posée. Ah, c'est vrai! Qu'est-ce que tu fais? Allez, il y en a deux. Bon, bah, faut pomper maintenant. De la mer à la citerne, la citerne à la... au bassin. Et bon bah, mesdames et messieurs, ça coule enfin. Non, ça va. Oh, si tu vois ça, c'est le genre de choses que moi je pouvais faire à mon époque avec la laisse de la mer naturelle. On va regarder là dans ces filets et on va essayer de regarder ce qui est naturel, ce qui n'est pas naturel. Et si vous trouvez des choses jolies pour les chapeaux, on les met dessus. Ils arrivent. J'ai le plaisir aujourd'hui et le grand honneur d'inaugurer la statue de Monsieur Jean-Baptiste Pierre-Antoine Monet, chevalier de la marque, en votre présence. On a écrit aujourd'hui une écharpe sur l'environnement. Et ça serait un plaisir de la lire aujourd'hui devant vous. Nous nous engageons à ne pas pêcher trop, réprimander le braconnage plus sévèrement. Je vous confie la rude tâche de porter le message contenu dans la charte
que vous avez élaboré. Bien, bon retour, je vous dis merci.